Annonce, les amis. Oh putain, c'est quel écran C'est celui-là Let's go Je suis partenaire euh, chez Swissborg, les amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, en gros, je suis partenaire. Ah euh... là, voilà, j'avais été sûr que Malfi l allait faire ZZZ. Petit enculé de Malfi. Tu prends toute la place dans le chat pour dire ZZZ. Mais de toute façon, je vous ai dit, ça concernait très peu de personnes. Et en plus, Binou, voilà. Non, mais je m'en fous, c'est un truc long terme. Voilà, vous êtes tous heureux, je suis trop heureux moi aussi. Bref, non, vous voulez que je vous dise c'est quoi Ah, vous êtes content là en plus Non, moi je m'en fous, si, plus je vois de Z, plus je, plus je vois que ça vous plaît. <laughs> J'étais sûr. Let's go Non, mais en gros, je sais que ça concernera très peu de personnes, mais surtout pour moi en fait. Parce que je gagne plein de choses euh, sans que vous soyez, euh, comment dirais-je, impacté. Mais je vais vous en parler là, un petit peu, genre 15-20 minutes, ne vous en faites pas, je vais tout vous dire, je répondrai à vos questions après. Voilà, au lieu de mettre ZZZ, mettez l'imote. Comment ça s'appelle là Il est où mon chat Mettez l'imote qui dort là Avec le, le rompiche. Ice Sleep. Comment il se appelé l'imote Bon, bref, je vous en parle de l'annonce. Bref, c'est Swissborg. Voilà, je suis très heureux de, de faire un partenariat avec eux. Je les ai contactés. Ils m'ont dit, ouais, j'étais carrément éligible. Et en plus, ils m'offrent plein de trucs. Celle, l'entreprise associée à ton projet crypto. Non, pas du tout. Mais les mecs, je vais vous faire d'abord une petite présentation tranquille de 5 secondes. Non, 5 minutes quand même, histoire que je vous présente le bordel, parce que là ça va être reupload upload sur ma chaîne secondaire. Yo, c'est quoi l'annonce Là t'arrives en plein dedans mon pote Bernardo, c'est que je suis en partenariat avec une entreprise crypto, une entreprise qui est la numéro 1 en Europe, si vous voulez savoir. Et euh, je suis le seul euh, comment dire. Euh, partenaire en, en termes de jeux vidéo, etc. sur Twitch, euh, genre en rapport avec les cryptos avec cette entreprise-là. Donc, bref, euh, c'est euh, pas de la merde ce que je vais vous proposer. Vous connaissez bien, de toute façon, je propose que de la qualité. Et je veux proposer que de la qualité. Donc, je m'assure que ce que je vais vous proposer, c'est de la qualité. Bref, tout ça pour vous dire que je suis en partenariat avec Swissborg. Voilà, c'est une entreprise euh, dédiée à euh, les crypto-monnaies. Voilà, mais c'est un truc vraiment. Je vais vous montrer des slides. Regardez, bon, là, je vous ai mis l'affiche. Si vous voulez la retrouver juste ici, c'est simple. Je vous la montre à l'écran. Faut pas que je me chie. Ok, donc image 8, tac. Vous voyez, il y a mon live et tout. Drop. Ah oui, mais non, mais le point d'exclamation drop, on s'en fiche. Faut que j'édite mon titre. Oh, je sais pas, bref. Et vous voyez, vous descendez un petit peu, vous avez un, un truc ici. Voilà, et vous cliquez. Hop Et ça vous ouvre une page. Et après, vous faites accepter l'invitation. Et c'est une application, donc forcément, il faut le téléphone portable. Vous scannez le petit QR code. Et ça va vous dire euh, télécharger l'application, etc. Mais bref. Et bah, faut être patient, oisif. Bref, donc ça c'est pour euh, accepter mon invitation tout ça, mais sauf que je vous le dirai après, là d'abord je vais vous présenter le bordel parce que je vous dis déjà de rejoindre le, le truc alors que je vous ai même pas expliqué c'était quoi concrètement. Hop Donc ça, le petit panneau, ça vous dit ici, mais je vous le rappellerai à la fin quand j'aurai fini. Enfin bref, je commence. Là normalement ça devrait marcher. OK. Voilà, petite feuille de présentation. Je suis heureux, c'est pas du tout moi qui l'ai fait. Euh, mais c'est juste histoire de vous présenter, vous inquiétez pas, je vais pas lire tous les slides. Regardez, il y en a 46, c'est dense comme pas possible. Mais vous inquiétez pas avec moi, c'est hyper dynamique et c'est hyper rapide. Tout ça pour vous dire que SwissBorg c'est une application qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies. Des... Alors je tiens à faire un disclaimer c'est pas un conseil d'investissement, c'est pas un truc dédié pour les enfants. C'est pour ceux qui ont plus de 18 ans et qui ont un chouïa d'argent à mettre sur, euh, je sais pas, si vous voulez investir ou quoi que ce soit. Bah vous prenez l'application avec mon lien, etc. Et euh, vous allez. Je vais vous dire les avantages après, mais là je vais vous expliquer un peu le, le, le truc. C'est quoi C'est Swissborg. Putain, je dis le truc alors que je suis partenaire. Non, c'est Swissborg, les mecs. C'est une entreprise en rapport avec les crypto-monnaies qui est numéro 1 en Europe. Vous le voyez juste ici. Il y a 52 millions de dollars qui ont été levés. Bon, ça, on sent. Je vais vous dire les informations les plus importantes. Il y a 650 000 utilisateurs qui sont vérifiés. Il y a plus de 2 milliards de dollars en actifs sous gestion. Asset under management. C'est-à-dire que sur tous les comptes que les utilisateurs ont, il y a plus de, 2000, euh, non, de 2 milliards de dollars, pardon, je suis, 2000 milliards de dollars, c'est pas possible. Non, il y a deux milliards de dollars qui sont sous gestion, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas 1000 euros sur l'application. Sur il euh, faut savoir que c'est une entreprise qui est agréée par une licence en Suisse qui est le VQF, ou la VQF, je ne sais pas trop c'est quoi, mais surtout en France. Euh, elle, est en, elle est agréée par l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, et donc elle a le PSAN Elle est prestataire de services pour actifs numériques, prestataire de services pour ati, actifs numériques. En gros, ça veut dire qu'elle est agréée, etc. Donc c'est du sérieux, c'est pas une entreprise qui euh, sort euh, du, du doigt des pieds, euh, qui fait n'importe quoi. Donc voilà, il y a plus de 50 cryptos que vous pouvez acheter, il y a des wallets, etc. Mais je vous détaille après euh, par la suite. Il y a plus de 300 personnes à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont plus de 300 qui travaillent sur le projet. Donc voilà. Euh, ensuite, pourquoi Swissborg c'est bien Parce qu'il y, y a plein d'autres applications qui sont en rapport avec les cryptos, etc. Il y a Binance, il y a Coinbase, il y a Kraken, mais il y a Swissborg. Et Swissborg c'est assez nouveau en vrai. Et euh, c'est hyper simple. C'est-à-dire en termes du X-Design, c'est-à-dire euh, l'interface utilisateur, c'est hyper simple d'accès. Il n'y a pas de 46 boutons, il n'y a pas 46 trucs. Non, c'est vachement simple, c'est vachement facile d'utilisation. Tu fais trois clics, tu peux acheter tes cryptos sans quoi que ce soit. Bref, et en plus de ça, il faut savoir que parmi toutes les offres possibles sur le marché en termes d'exchange, de, ça s'appelle un exchange. Pour acheter des cryptos, ça s'appelle un exchange. Bah là, Swissborg, ils sont numéro un parce qu'ils ont un système qui s'appelle le Smart Engine. Bon, on s'en fiche en soi du terme, c'est juste que le concept, c'est ça c'est que juste en dessous, c'est écrit Meilleure exécution. En gros, ils sont en partenariat avec plein de plateformes de premier ordre, comme ils l'appellent, genre Binance, Bitfinex, BTC, Kraken et LMAX. Bon, ça je connais pas LMAX, je vais être en détail avec vous. Et en gros, quand vous voulez acheter par exemple un Bitcoin, j'en sais rien, et bah ça va prendre les, les prix des cinq exchanges et ils vont les mettre en un seul pour que Swissborg permette euh, à l'utilisateur qui veut acheter euh, la crypto monnaie en question, et bah que ça soit le moins cher des cinq. En gros, ça fait plein de petits euh, calculs, etc. Donc là, on peut voir, je sais pas si on voit bien sur le live. Bref, juste ici, que euh, la personne a utilisé 2500 CHF, dédicace à mon pote rose, qui est suisse et qui est content, parce que là, c'est une entreprise suisse que je présente. Et euh, du coup, euh, vous voyez tout le passage il y a 800 CHF qui sont passés en euros, ensuite, il y en a 1600 qui sont passés en dollars. Ensuite, ces euros-là, ils ont été transférés sur ça pour acheter du bitcoin. Bref, c'est tout un mécanisme qui fait que euh, les prix sont de premier ordre et euh, c'est les meilleurs prix qui existent sur la plateforme. C'est un algorithme qui calcule le meilleur prix auquel on peut acheter la crypto. C'est un petit peu ça. En fait, c'est un algorithme, pas qui calcule le meilleur prix, mais c'est juste qui cherche le meilleur prix euh, parmi tous ceux qui existent. Et donc, euh, c'est pour ça que chez Swissborg, eh ben, si vous voulez acheter vos cryptos, c'est le meilleur prix possible. Ensuite, donc, il y a plein de devises, etc. Vous pouvez acheter euh, du Bitcoin avec de l'euro, du dollar. Vous pouvez acheter, euh, je ne sais pas, n'importe quelle crypto avec euh, toutes les cryptos possibles. En fait, il y a tout qui est possible à échanger avec. Euh... Enfin, ça s'appelle la passerelle multi devises. Ensuite, il y a des rendements, il y a des plans premium, etc. Mais là, je vais vous parler juste des, des basiques. Salut, je suis en retard, pas du tout, je viens de commencer, je suis à la slide 2. Voilà. Euh, enfin, soit. Donc, là passerelle multidevise et les meilleurs taux d'échange du secteur, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle crypto-monnaie, vous pouvez acheter toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur la plateforme. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de site internet. Enfin, si, il y a un site explicatif, mais en gros. C'est que sur portable. C'est une application qui, qui est que sur portable. Vous ne pouvez pas avoir votre compte sur internet. C'est que sur téléphone portable. Il est disponible le diapo. Oui, il est disponible. Non, il n'est pas disponible. En fait, il est sur mon. Sur mon PC. Mais si vous voulez le diapo, je peux vous le donner. Oui, tu peux, Rosy, si tu veux. Bref. Euh, donc voilà, ça c'est pour le fait que c'est la plateforme numéro 1 en termes de prix, etc. Et d'ailleurs, c'est la plateforme numéro 1 et ils sont d'ailleurs vachement transparents. C'est pour ça qu'ils bah, ont des frais élevés. Mais. Les frais, les amis, comme c'est écrit ici, euh... en fait, je voulais que je vous le lise Les frais, il faut savoir que chez Swissborg, c'est pas les, les plus grands, mais c'est pas les plus faibles. Les plus faibles, c'est Binance, c'est les, les exchanges de. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a souvent du spread, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre les prix que vous voulez acheter, il y a du slippage et tout ça, mais c'est des termes assez compliqués. Dites-vous juste que euh, là, il n'y a rien de compliqué. C'est juste ils achètent la crypto au meilleur prix. Et ils pratiquent un frais justement pour rémunérer la plateforme, pour rémunérer les personnes qui travaillent sur le projet, etc. Et il y a juste un seul pourcent de frais. Et il faut savoir que si vous achetez des trucs sur la plateforme, il y a des comptes premium qui fait que ça va diminuer vos frais en fonction de euh, le compte que vous avez. C'est écrit juste ici. Hein. Mais après, vous lisez si vous le souhaitez. Moi, je vous dis un peu à l'oral, euh, je ne vous, vous lis pas le bordel. Hein. Je ne fais pas comme les profs en cours qui lisent les slides et puis qui passent euh, au slide suivant, qui lisent, etc. Non, c'est chiant. Mais euh, tout ça pour vous dire qu'ils ont des frais je dirais pas conséquent, mais raisonnable, qui leur permettent euh, bah, tout simplement que la plateforme soit rentable et qu'elle fonctionne. C'est le capitalisme en fait. C'est donnant donnant. C'est le fait qu'on euh, pratique des prix pour que. Alors attendez, il faut que je trouve ma phrase pour qu'elle soit correcte. Euh, C'est donnant donnant. C'est gagnant gagnant. C'est à dire que elle vous propose Swissborg, l'entreprise vous propose des cryptos au meilleur prix possible. En revanche, elle prend un pourcentage de frais qui, leur per... enfin, qui lui permet de se rémunérer et euh, bah, tout simplement de faire fonctionner l'entreprise pour que ça dure le plus longtemps possible. Il faut savoir qu'elle est vachement rentable, cette entreprise-là, et qu'elle euh, a plein d'avenir. Mais ça, je vous en parlais à peu près... Enfin, euh, plus tard. 1%, c'est déjà élevé en soi. Oui, 1% de frais, c'est assez élevé. Mais euh, ces frais-là, ils sont vachement transparents, il n'y a pas de spread ou quoi que ce soit. Je te dis, genre, euh, on peut voir sur les screens, mais les frais, ils sont utilisés à plein de fins. Il faut savoir qu'il y a 20% de ces frais-là qui sont dédiés à un truc, euh, parce que Swissborg a leur propre crypto. Ça va durer combien de temps Je sais pas, Roisif. Je te dis, euh, va-t'en, hein. va regarder ton animé, hein, je te le dis. Si, si tu veux pas suivre l'annonce. Et bref, euh, est-ce que je vous parle des yields, etc. Euh, oui, je vais vous en parler parce que c'est quand même un, un de leurs produits phares. Euh, oui, donc vous avez des cryptos, imaginons que vous en achetez, je sais pas, du Bitcoin et l'Ethereum, les deux classiques. Il faut savoir qu'il y a un système de yield. Alors, le terme est un peu chiant, c'est juste. Le terme en français, c'est le rendement. C'est-à-dire que vous avez des crypto-monnaies, vous avez un bitcoin, et vous avez, euh, si vous le bloquez sur un, un contrat, en gros un smart contract, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous casser la tête avec des termes qui sont vachement euh, compliqués dans le monde des cryptos. C'est que euh, euh, vous pouvez les bloquer quelque part pendant, je sais pas, une durée que vous voulez. Normalement, c'est un jour, vous pouvez les bloquer pendant un jour, et ensuite vous gagnez chaque jour un chouïa de la crypto que vous avez bloqué. C'est-à-dire que vous avez un bitcoin que vous bloquez. Et tous les jours, vous allez recevoir 0,0001 Bitcoin. Tous les jours, vous allez recevoir ça en fonction du taux qui est prédéfini là, c'est à titre d'exemple. Mais vous regardez là, euh, là c'est l'USDC donc c'est 1 dollar et 26 Donc ça veut dire que si vous mettez 1000 dollars, vous le bloquez, chaque jour vous recevrez 26 divisé par 365. Et là, je me mets dans des calculs de merde, il faut que je fasse des calculs. Donc 26 divisé par 365 divisé par 365, ça vous fait 0,07 chaque jour qu'on multiplie par 1000. Euh, non pas du tout, je sais pas, mon calcul n'est pas correct. <laughs> non, mais j'ai pas envie de m'embrouiller avec des mathématiques juste pour vous dire que vous bloquez vos cryptos pendant un jour et ensuite vous gagnez des intérêts dessus chaque jour. Et donc votre compte grossit au fur et à mesure du temps. Voilà, ça s'appelle les intérêts composés. Et ils ont leur propre truc, Swissborg, euh, qui fait que ce n'est pas les plus grands taux du marché, mais c'est euh, un compromis entre il n'y a pas vraiment de risque et il n'y a pas vraiment... D'énormes taux, mais ça fait un super équilibre qui fait que c'est des bons taux, un truc safe, etc. 0,07$ par jour. Ouais, voilà, bah merci. Bah, en fait, mon calcul était bon, c'est juste qu'il y avait 70, mais c'est juste que je 10 par 100. Et du coup, ouais, voilà, donc tu gagnes 7 centimes par jour avec un taux de 26% par an si tu places 1000$. dollars. Donc c'est bien, 7 centimes par jour, ça fait quoi Ça fait une sucette. Mais imaginez que vous gardez, euh, je sais pas, vous n'êtes pas des grands investisseurs, je doute bien, sinon vous serez tous sub ici. Mais imaginons, vous placez. 10 000 euros, 26 de 10 000 euros en un an, vous gagnez 2 600 euros. Donc c'est pas dégueu. Hein. Et 2 600 euros divisé par 365, 365, ça vous fait 7 euros par jour. Si vous avez 10 000 euros à placer. Mais là, je vous invite pas à investir autant, même si vous n'avez ces... enfin, pas normalement cet argent-là. Ça va, Yanko Les taux qu'on reçoit selon le blockchain actuel Si le prix de la crypto qu'on stocke baisse, on ne gagnera plus le même taux. Alors, les taux varient en fonction du marché. C'est-à-dire que là, c'est des screens qui ont été pris pendant la période où ça marchait très bien pour les cryptos, c'est-à-dire en mai 2021 ou novembre 2021. C'était vraiment les, la période où le marché fonctionnait extrêmement bien. Et donc, il y avait des super taux, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui empruntaient, beaucoup de personnes qui étaient euh, qui prêts, et qui déposaient leurs cryptos pour qu'il y ait des intérêts. Et plus il y a, il y a de liquidité, ça s'appelle, plus le taux de rendement.. Euh, est supérieur. Là, en l'occurrence, c'était 26%, 15%. Donc, c'était des zones qui sont vraiment, je vous le jure, énormes. Là, actuellement, on est à 3-4% pour euh, les deux cryptos à l'heure actuelle qui sont affichés sur l'écran. Comme ça, on n'a pas cet temps On est abonné à Mazak. Binou, je te jure, es... je vais rien dire. Bref. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toute leur stratégie de, de Smart yield Ils appellent ça. C'est leur stratégie pour le rendement. Alors, euh, vous voyez le schéma, je n'ai pas trop envie de vous expliquer les détails, dites-vous juste que c'est la même chose que pour acheter des cryptos, ça passe par plein d'échanges différents, et bien là c'est pareil. Le yield, donc le rendement que je viens d'expliquer, ça passe par différents agrégateurs, par différentes euh, plateformes de farming, d'intérêts, etc. Donc euh, c'est le même principe que si vous achetez des cryptos, bah, ça passe par plein d'échanges, et bien là, si vous bloquez vos cryptos pour avoir des intérêts dessus, bah, ça passe par plein d'endroits différents pour que vous ayez vos intérêts. Ensuite, Nexo, il y a mon pseudo dessous, exactement. Là, c'est très bien qu'ils ont fait ce slide-là, parce que je voulais faire un comparatif avec les autres plateformes qui sont existantes. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, je vais vous la montrer, ça, ça vous fait rire. Ou pas. Et ça va peut-être vous faire fuir, en fait. Moi, bon, je vais vous la donner quand même, de toute façon, on n'a qu'une vie. Là, c'est une plateforme de comparatif. Donc là, vous voyez, c'est des énormes entreprises en rapport avec les cryptos. Et c'est SwissBorg, c'est Celsius, c'est Nexo, c'est BlockFi c'est Crypto.com. Et euh, bah là, c'est tout simplement un comparatif en rapport avec ce qu'ils proposent. Est-ce qu'il y a des frais de gaz euh, Combien de temps les rendements sont payés Le level de transparence, la, la diversification des risques, pardon. Euh, les licences, si l'entreprise est agréée, etc. Et vous voyez que SwissBorg euh, complète pas mal de ces domaines-là. Et il euh, faut savoir que Celsius ici présent, c'est une banque. Enfin, c'est une application de gestion de patrimoine de crypto, pour rester dans les termes un peu euh, spécifiques, qui a fait faillite et qui est en faillite actuellement et qui était euh, bah, la première en fait dans le domaine. Et euh, il y a eu une énorme crise qui s'est créée par rapport euh, à cette faillite-là dans, ce dans le monde des cryptos. Alors ce n'est pas vraiment de Celsius même, ça c'est l'entreprise dont je vous parle, c'est en rapport avec un, un token, euh, l'UST où genre, il y avait des milliards qui étaient dessus et en fait euh, il est parti de 1 dollar à 0 en fait. Donc, il euh, y a plein de gens qui ont perdu des sous. Ça a créé une panique totale sur les marchés, etc. De, de dans les cryptos. Et, en l'occurrence, Celsius était vachement exposé à cette crypto-monnaie-là. Et, de ce fait, de ce fait, ils ont fait faillite. Et il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle Celsius Networth. Et les mecs, euh, c'est terrible ce qui se passe, parce que je vais vous montrer à l'écran. Euh, elle a fait faillite, cette entreprise. Et si vous tapez mon nom. En <laughs> fait, il y a eu des leaks. Si vous tapez mon nom sur. Euh, L'entreprise en question. et eh bah ben, il y a eu un leak comme quoi j'ai bien perdu 968 dollars. En gros, a... j'ai perdu 1000 dollars, en fait, qu'ils ont fait faillite. Donc, j'ai perdu 600 dollars. Euh, ça, c'est de la merde. Des Litecoin, de mes bouts d'Ethereum, et voilà. Celle-ci, c'est la faillite, voilà. Et euh, ça se trouve, je vais être remboursé. Euh... Alors, moi, j'estime mes 1000 dollars enfin, comme perdus. Tant pis. J'ai été con, mais euh, au moins, ça m'apprendra. Et... et mes fonds, maintenant, sont sur... Euh, sur, sur euh... Enfin, pas la totalité de mes fonds, mais une partie sont sur SwissBorg. Voilà. Amis soirs, bonsoir. Bonsoir à, à ceux qui rejoignent. Donc je continue. Hop, capture de fenêtre. Tac, on quitte cette page et on va remettre le truc correctement. C'était pas la capture d'écran. Bref, du coup, on met normalement. Donc voilà, c'était pour le comparatif. Et ensuite, il faut savoir que SwissBorg, ils ont leur propre token. Mais après, je vais arrêter la présentation ici. Non, non. Enfin, je vais continuer après, mais euh, bien sûr. Euh, T'avais mis 1000 euros, tu avais mis moins et ça a grimpé. Euh... Alors attends, je vais répondre aux questions après, Nexo, ok Là, je finis juste. Comme ça, après vos questions, j'y réponds. Euh, vous en faites pas. Euh, du coup, il faut savoir que SwissBorg, comme la plupart des crypto-monnaies, genre Celsius, ils ont le Celsius Token. Le Nexo, ils ont le Nexo Token. Crypto.com, ils ont le CRO. Euh, ils ont chacun leur token, donc une crypto. Et donc, SwissBorg a une crypto. C'est le CHSB, le SwissBorg Token. Et euh, l'utilité de ce jeton a plein de particularités. C'est-à-dire que vous pouvez être premium sur l'application. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, euh, j'en sais rien, on va prendre l'exemple du... Du, du Explorer, c'est-à-dire qu'il faut par exemple acheter 500 CHSB, au cours actuel c'est 500 x 0,20, donc c'est pas énormément de sous, enfin, ça, reste en, ça reste un investissement, mais en gros vous le bloquez pendant un an, et là vous regardez que vous avez bah, toujours 1% de frais sur les échanges, mais par exemple si vous bloquez vos crypto-monnaies pour avoir des intérêts dessus, vous avez 25% de plus que si vous étiez sur un compte standard. Donc voilà, il y a plein d'utilités euh, différentes, et vous regardez bah, si... Euh, si vous êtes génération premium, donc là c'est 20 000 tokens, donc c'est quand même un investissement vraiment conséquent. Euh, vous avez deux fois plus de rendement et vous avez deux fois moins de frais. Vous passez de 1% à 0,5. Donc voilà. Ouais, Swissborg. Ouais, mon pote, je suis partenaire Swissborg. Let's go. Bref, non, mais je vais vous dire, hein, je vais être transparent sur tout ce que je gagne et tout ça à faire ce partenariat-là. Donc vous en faites pas. Il y aura plein d'informations là-dessus. Donc ça c'était pour l'utilité du, du token. Donc euh, vous pouvez acheter un compte premium pour avoir moins de frais sur l'application si vous voulez acheter d'autres cryptos, j'en sais rien du Bitcoin avec euh, des frais réduits, bah, vous bloquez 500 Swissborg Token, le token de la plateforme, et ensuite vous avez des frais qui sont amoindris. Euh, ensuite, ça c'est tout ce qui est en rapport avec le rendement du token, etc. Mais j'ai pas trop envie d'aiguiller. Euh, enfin, de. D'aller vers euh, ce domaine-là. Enfin, c'est assez compliqué. Et là, je veux partir. Sur le point qui est assez important, c'est le risque de réputation. En gros, euh, il y a le risque de faillite, de défaut de paiement, etc. Le risque de, enfin, le risque de faillite, on l'a vu pour ceux qui s'intéressent un peu au domaine des cryptos, au marché financier, etc. Même à l'actualité, en fait, parce que c'est passé dans l'actualité. C'est que Celsius, j'ai cité l'exemple juste avant, c'était une banque qui a fait faillite euh, du fait qu'elle était beaucoup trop explosé, euh, exposée, explosée aussi pour le coup, euh, exposée sur euh, différents actifs qui ont fait qu'ils avaient mal géré leurs risques, et ils avaient 2 milliards de, de problèmes de dette en fait. Donc ils ont été en faillite totale, les gens pouvaient plus retirer leur argent, euh, dont moi en fait j'ai 1000 dollars qui sont bloqués sur la plateforme. Si vous voulez je me connecte, on regarde mes sous. Hein. On peut faire un live où je regarde mes sous qui ne bougent pas. Donc j'ai un peu le seum par rapport à ça, mais c'est de ma faute. Enfin c'est de leur faute, mais c'est de ma faute, parce que j'ai mes fonds qui sont là-dedans. Et euh... Et donc voilà, et chez Swissborg justement, il y a toute une crise où il y a plein de plateformes comme Celsius qui ont fait un risque, enfin qui ont eu un risque de faillite, parce qu'il y a tout qui s'est cassé la gueule, ça fait un effet domino, hein. c'est genre il y a un gros truc qui, qui tombe, euh, bah ça fait tomber un petit peu tous les autres, parce que ça met tous les autres dans la merde, tout le monde prend peur, tout le monde retire son argent, etc. Et chez Swissborg du coup ça s'est très très bien passé, parce que votre argent que vous déposez, c'est le vôtre, c'est euh, pas à la plateforme qui gère vos sous, c'est vraiment vos sous. Et en plus de ça, s'il y a des problèmes de défauts de paiement et tout ça, euh, c'est une entreprise qui est, comme je l'ai dit au début du live, qui est euh, agréée, qui est en, en toute légalité en France, euh, prestataire de services d'actifs numériques, qui est agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Pareil, ils ont une licence en Suisse et en Estonie, mais en Estonie, je ne m'y connais pas trop, juste sachez-le que ce n'est pas une entreprise qui n'est pas agréée ou quoi que ce soit. Ils ont 2 milliards d'argent sous gestion. Et euh, voilà, vos fonds et vos données. Ceux de vos utilisateurs sont protégés selon les normes les plus strictes et votre nom et votre réputation ne seront jamais compromis. Voilà, donc ça c'est pour les défauts de paiement, les risques, etc. Euh, en tout cas, ils se sont très bien sortis. Euh, si vous voulez savoir, notre équipe de gestion des risques a décidé que nous devions posséder deux tiers de nos actifs en fiat. Alors c'est un peu compliqué, c'est juste que la plupart des argents, enfin, de l'argent qu'ils ont dans leur trésorerie, vous savez bien que dans une entreprise, il y a de la trésorerie, il y a de l'argent qui reste un peu bloqué au cas où il y a des gros problèmes. Et eh ben là, il y a deux tiers de cet argent là qui euh, est en fiat, c'est-à-dire en monnaie stable, comme euh, on le connaît tous, l'euro, le dollar. Donc c'est des monnaies qui sont vraiment pour le coup très stables et qui sont euh, bah, que tout le monde utilise tous les jours en fait. Donc c'est une très bonne chose. Et après, il y a une partie quand même qui est en crypto. Donc, euh, parce que c'est quand même quelque chose qui rapporte des sous et placer de la trésorerie en crypto pour une entreprise, si les gens ne sont pas cons et ils sont vraiment bien renseignés, et eh ben c'est quelque chose qui marche assez bien. Euh, ensuite, voilà, ça c'est une comparaison avec les, les entreprises qui sont centralisées et décentralisées, mais c'est tout un, un domaine qui est assez compliqué. Bref, je pense que j'en ai fini sur la présentation. Euh, je voulais juste annoncer quelques points. Alors, oui, si vous voulez me faire plaisir, les mecs, j'ai fait un tweet. Je vais mettre cet écran là, hop, j'ai fait un tweet. Donc, si vous pouvez juste. Voilà, vous mettez juste un petit like, un petit RT si vous le souhaitez, je vous le mets plusieurs fois parce que c'est ton jamais, hein. mais euh, si vous pouvez mettre un petit like, un petit RT, juste un petit commentaire à la con en disant ouais, let's go, j'en sais rien, juste pour montrer qu'il y a de l'engouement, euh, peut-être que Swissborg va voir le tweet et va se dire ok, c'est cool, le partenaire il marche bien et tout ça, euh, bah, ça peut être super sympa et ça pourrait me soutenir même si vous ne téléchargez pas l'application ou quoi que ce soit. C'est quoi l'annonce mon ami Je suis trop content malgré avoir raté l'annonce. Le vendeur de tapis. Non, c'est même pas du tapis les mecs. Là, c'est pas des tapis, c'est de la qualidade des avantages à le télécharger avec ton affiliation. Je vais y venir. Du coup, après cette annonce, si ça vous a intéressé, si vous avez plus de 18 ans, sachez-le que vous ne pouvez pas vous inscrire et télécharger des applications en rapport avec l'argent, euh, les banques, les cryptos, si vous n'avez pas 18 ans. Donc voilà. Euh, ça, c'était juste pour vous dire. Là, je vous lis juste un petit peu le tweet. Donc, je suis heureux d'être en partenariat avec Swissborg. C'est une entreprise, sachez-le, depuis plus d'un an, je suis chez eux. Genre, j'ai des fonds dessus. Tout se passe très très bien. J'ai failli faire un stage chez eux, sachez-le. Normalement l'année dernière j'aurais pu faire un stage c'est juste qu'ils n'avaient pas de poste à, à pourvoir euh, qui m'intéressait en fait moi je cherchais dans la comptabilité la finance eux ils m'ont donné euh, des trucs de data analyst et d'ingénieur euh, technique donc c'était pas possible et euh, du coup voilà donc je suis très heureux parce que c'est une entreprise super cool qui est vachement transparente qui est vraiment quali qui fait les choses vraiment bien au fur et à mesure du temps ils s'actionnent pas trop vite ils font pas les choses à moitié et euh, ce pas parce qu'il y a VLA la hype qui vont se dire Ok, il faut qu'on sorte plein de trucs. Non, non, ils prennent vraiment leur temps. Ils ont été d'ailleurs beaucoup critiqués pendant euh, la hype 2021 quand il y a eu des crypto parce qu'ils étaient vachement lents. Et même moi, je l'ai ressenti qu'ils étaient vachement lent parce que du coup, comparé à toutes les entreprises, etc., qui sortaient des trucs, euh, Swissborg était vachement lent. Mais du coup, il euh, y a plein d'entreprises qui ont sorti énormément de features de, de, de crypto-monnaies, de plein de choses. Euh, Lié avec ça. Et Swissborg est resté très lent, prenait vachement son temps. Et au final, toutes les entreprises qui ont sorti énormément de choses ont fait faillite ou n'existent plus très bien. Et là, Swissborg bah, reste et, euh, et stagne et vraiment augmente petit à petit en fait. Il n'y a pas de hausse comme ça et puis de descente. Non, non, ça, vraiment, ça monte petit à petit, ça croît petit à petit. Et c'est vachement euh, sain, c'est une croissance saine. Du coup, voilà. Hop Ça, je quitte, on s'en fiche. Jure, tu go Overwatch après Non, <laughs> pas ce soir, je pense. Non, je vais aller sur un autre jeu, vous allez voir. Bref donc, si vous décidez de vous inscrire avec mon lien affilié, je tiens à préciser que ce lien ici, hop, vous pouvez le retrouver sur mon panneau Twitch juste en dessous. Je vous ai montré l'image, c'est celui-ci. Vous cliquez dessus, il y a ce lien qui s'affiche. Hop, on va faire un tour. Hein. Tac, vous faites accepter l'invitation. Vous prenez votre portable et vous scannez le QR code. Et après, euh, je ne sais pas trop ce que ça fait parce que moi j'ai déjà l'application. Voilà, un hein, j'aime, un commentaire. Merci pour tous les RT et tous les likes, hein, les mecs. Merci beaucoup, je ne sais pas, euh, il faudrait que j'actualise après. Mais du coup, merci beaucoup, c'est super gentil. Et euh, donc voilà, en gros, si vous déposez 50 euros, c'est une somme quand même, on est d'accord, c'est conséquent, mais si c'est à titre d'investissement, 50 euros c'est raisonnable. Il est stylé de fou le panneau par contre, c'est vrai On le remet un petit peu, c'est moi qui l'ai fait. Ça va Afghanistan Bref, c'est moi qui l'ai fait le panneau, donc je suis content. Puis vous pouvez le retrouver du coup sous ma chaîne Twitch. Donc, vous déposez 50 euros sur la plateforme et vous pouvez obtenir un ticket à gratter pour gagner entre 2 et 100 euros. C'est-à-dire que vous déposez 50 euros, vous êtes directement éligible. Moi, je gagne un ticket pour euh, gratter et gagner entre 2 et 100 euros. Et vous aussi. Il euh, faut savoir que j'ai déjà gratté pas mal de tickets parce que j'ai invité pas mal de potes. Donc, euh, j'ai jamais gagné 100 euros, évidemment. Mais le plus gros truc que j'ai gagné. Euh, je ne sais pas si je peux vous montrer. Ah non, parce qu'il y a les prénoms. J'ai gagné 8 euros, 8 euros, 2 euros, 11 euros, 5 euros, 2 euros, 3 euros. Bref, j'ai invité pas mal de personnes. Et, euh, et voilà. Et du coup, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur ce lien-là, vous cliquez sur mon panneau Twitch et vous pouvez déposer 50 euros sur la plateforme euh, que vous pouvez retirer par la suite. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt à retirer euh, juste pour gagner entre 2 et 100 euros. Autant laisser vos sous et euh, essayer de mettre un petit peu les pieds dans les cryptos, mettre euh, je sais pas 25 euros en Ethereum, 25 euros en Bitcoin, histoire d'avoir une, une légère exposition aux crypto-monnaies. J'ai gagné 3 euros grâce à toi. C'est vrai, Chaos10, je lui ai donné les tickets à gratter, il a gagné 3 euros. Moi, je crois que j'ai gagné 8 euros grâce à lui. Bref. Du coup, ça, je l'avais répété, mais du coup, c'est une entreprise qui est fondée en Suisse et les fonds sont sécurisés et vous appartiennent quoi qu'il arrive. Et c'est aussi une entreprise qui est agréée par l'AMF en France. D'ailleurs, aparté, euh, l'AMF, j'ai la, citifi... enfin, la certification AMF. Enfin, c'est une certification que tous les financiers doivent avoir pour travailler en finance. Donc, c'est une certification que j'ai passée. Euh, du coup, je suis certifié par l'autorité des marchés financiers. Euh, voilà, c'est la classe. Alors que bon, c'est pas un truc de fou, mais... Mais voilà, je l'ai, donc euh, c'est pas. Enfin, c'est ce qui régit un peu euh, le marché, les marchés financiers en France. C'est l'autorité des marchés financiers, c'est juste la définition. Et voilà, et du coup, je fais quand même un petit disclaimer comme quoi ce tweet et ce partenariat ne concernent que les personnes ayant plus de 18 ans et qui ont une petite quantité d'argent et qui peut être dédiée à un petit investissement. Et t'es en partenariat avec eux là Ouais, et je vais vous dire les avantages aussi que j'ai parce que j'ai pas que l'avantage des tickets à gratter. Oh putain, l'autre il m'a fait faire des pompes. Et vu qu'il n'y a qu'une règle, il faut faire ses pompes quand on nous en demande d'en faire. Putain, saloperie. Bon, je l'ai fait vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez hop Terminé patate On reprend notre présentation, parce qu'on a bientôt fini en plus. Hop, on éteint la lumière parce qu'on est bien plus beau comme ça. Et euh, donc 18 ans, tout ça. Et je souligne que voilà. Ça, par contre, je vais être intransigeant avec vous. Ah, parfait, Juice. Je vais pouvoir éditer la commande. Euh, faut juste que je copie-colle. Attendez, parce que ça, c'est vraiment. Les pompes sont importantes. Hein. Donc j'ai fait 15, 449. Ah merde. C'est édite commande. Merci beaucoup, Juice. Tu gères. Je m'en étais occupé. Let's go. Maintenant, vous faites pas d'exclamation pour que ça s'affiche. Bref, là, par contre, je vais être clair avec vous. Toutes les personnes. Je dis bien toutes. Vous avez n'importe quelle question, mais la pire des questions possibles. Je sais pas. Comment s'appelle l'application Non, mais ne venez pas m'embêter non plus. Avec des questions où c'est évident. Si vous avez la moindre question. Oh, Merde. Je vais de cliquer sur l'annonce Discord. Bon, euh, c'est pas grave. Je vous la mets quand même. Allez, hop. Entrée. Tac. Attends, on peut virer. Hop. Voilà, ça fait tout beau, tout propre. Juste, il y a un petit trait, on ne sait pas pourquoi. Euh, vous avez n'importe quelle question. Je vous réponds. Et je vous réponds à tout. Il n'y a pas de souci là-dessus parce que c'est une entreprise... Euh, voilà, je sais que c'est... Enfin, elles sont vachement transparentes. Enfin, ils sont vachement transparents du coup avec leurs utilisateurs. Et je connais l'entreprise sur les doigts des pieds. Donc, euh, voilà. Si vous avez la pire des questions, la plus grande des questions, je vous réponds à tout. Vous pouvez même me demander des choses par rapport à l'affiliation, parce qu'il faut savoir que du coup, je suis affilié avec eux. Je ne suis pas un, un, un petit affilié, entre guillemets. Je ne fais pas des références à l'éco, que ce soit. Non, je, je suis vraiment affilié. Du coup, j'attends la question, mais je la vois venir. Il faut que je respire, en fait. J'ai fait des pompes, là. Tu gagnes quoi, du coup Voilà, Juice vient de poser la question de qu'est-ce que j'y gagne. Il faut savoir, moi, que... Je ne peux pas vous mentir, moi j'ai pris le partenariat, euh, je suis très heureux, j'ai. Alors je touche rien actuellement. Là j'ai rien touché, je touche 0€, ok? Par contre, on remet la musique. Par contre, euh, je vous avais parlé des comptes premium, juste ici, sachez-le. Je gagne l'équivalent d'un compte premium génération. Et en gros, vu que moi j'ai énormément de, de, de tokens CHSB, il faut savoir que dans mes positions crypto, Swissborg c'est ma première position voilà c'est je, 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 je suis transparent avec vous j'ai investi sur les cryptos il y a à partir de 2010 fin 2018 début 2019 et euh, SwissBorg, c'est ma première position et euh, depuis un an je suis dessus depuis un an et demi je suis dessus. non depuis décembre 2010, depuis décembre 2020 je suis dessus donc euh, ça fait depuis un an et demi euh, que je suis dedans et ça se passe très bien et je suis très heureux et euh, tout me va, même si le marché se casse un peu la gueule et que j'ai des sous qui sont en train de partir. Mais moi, je crois au projet à long terme. Du coup, ils m'ont donné ce compte-là. Donc, j'ai deux fois plus de, de taux, en fait, sur mes, sur mes tokens-là. En gros, il est riche. Non, ils m'ont pas donné 20 000. Ils m'ont pas donné 20 000. Non, non, ils m'ont juste donné le compte. Ils m'ont juste donné l'équivalent du compte. C'est-à-dire que j'ai juste ce compte-là. J'ai pas les 20 000 qui me permettent de bloquer ça. Pardon, ouais, Ridex. Je suis refait, frère. Du coup, j'ai ce taux-là. Et euh, voilà, donc, je gagne ça. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Je suis juste Explorer. Ouais, Explorer, c'est bien. Hein. Franchement, Explorer, je vous invite à le faire. Parce que c'est 500, c'est pas énorme, entre guillemets. Et euh, puis après, vous avez 25% de plus. Et puis ça vous permet de... Bah, c'est bien, en fait. C'est sain. Tu investis au meilleur moment pour la crypto. Oui, un petit peu. C'est 100 euros, Explorer. Non, c'est pas 100 euros. C'est moins. Ah, si, peut-être. Je sais pas, attendez. Là, le token, il est à 0,20. 500 divisé par 0,20. Ouais. Oh non, putain, je viens de dire quoi. Oui, c'est 100€ tu t'as raison. En vrai, ah, je suis super content pour toi, ce partenaire-là, c'est incroyable. Mais je suis trop content. Hein. Puis en plus, c'est pas une entreprise. Vraiment, je suis content parce que c'est une entreprise, vraiment, c'est sain, c'est un bon truc. Moi, je suis content parce que j'ai les pieds dedans en fait. Tu gagnes combien par jour Du coup, j'aurais bah, idée que j'ai mon compte qui est activé cette semaine là. Et, euh, et je te dirais. Mais, euh, donc voilà, je gagne ça. Ça, c'est le plus gros avantage pour moi. Je vous le dis. Après, je gagne tous les trucs de tickets à gratter là. Donc, ça veut dire que vous rejoignez l'application. Euh, vous avez un ticket à gratter. Là, je vous ai expliqué. là Putain, j'ai cliqué 46 fois sur les pages. En fait, vous acceptez. Vous déposez 50 euros en crypto ou en euros, en fiat, comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez un ticket à gratter. Alors, j'ai pas d'animation pour vous montrer, c'est dommage. Mais bref, tous ceux qui se créent un compte et qui déposent 50 euros, vous avez un ticket à gratter qui va de 2 à 100 euros. Et euh, moi, je gagne ça, mais vous aussi, en finale, donc c'est un peu tout le monde. Tout le monde peut le faire, ça, inviter ses potes pour déposer 50 euros et gagner un ticket entre 2 et 100 euros. Qu'est-ce que as dit euh, Comment ça, ZDX Ah, tu voulais le dire deux fois Bon, je sais pas. Euh, et ensuite, qu'est-ce que je gagne Il y a un autre truc, et ça, il faut que je sois transparent absolument avec vous, enfin je le tiens, enfin, personne ne le dit, mais euh, moi je le dis, que sur les achats que vous allez faire avec les cryptos et les cryptos que vous allez bloquer pour avoir des rendements, je vais avoir un pourcentage, je vais avoir une commission. C'est-à-dire que si vous achetez pour 100 euros de Bitcoin, eh ben, je vais recevoir, euh, sur les 1% de frais qu'il va y avoir, je vais recevoir 20% de ces 1% de frais. Donc, euh, 1%, de... sachez-le, hein, vous achetez 100 euros de Bitcoin. Vous allez avoir 99 euros de bitcoin, il va y avoir 1 euro de frais. Et moi, sur ces 1 euro de frais, je vais avoir 20 centimes. C'est rien. Hein mais moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fous de, de ce gain-là en affiliation. C'est pas un truc qui, qui, qui m'intéresse. Genre, le fait que. Parce que je sais très bien qu'il n'y a pas des gros investisseurs qui me suivent, etc. Et euh, je ne vais pas créer d'énormes volumes. Mais je veux surtout créer euh, bah, juste en fait. À chaque fois que je parle des cryptos, je dis que SwissBorg c'est la meilleure application donc j'ai un partenariat, j'ai un compte, etc., qui, qui me fait du bien et aussi je gagne euh, une commission sur l'argent que vous bloquez, c'est-à-dire que je gagne 20% du gain que vous allez avoir, mais ça, ça vous est pas répercuté, c'est-à-dire que vous gagnez euh, comment ça s'appelle, je ne sais pas, vous gagnez 10 centimes par jour et ben moi je vais gagner 20% de ces 10 centimes donc je vais gagner. Euh... 2 centimes. Pff, oh là là, le bug. Bref, j'ai gagné 2 centimes par jour, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire Bref, du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis payé comme ça, mais je, je suis juste content par le fait que 2 centimes... Ouais, voilà, c'est ça. Je, je suis juste content parce que j'ai un compte qui me permet de gagner, entre guillemets, plus d'argent que j'en ai déjà. C'est vous le bonus pour toi, et ça ne change rien. Nous... Mais voilà. Il n'y a que du bonus pour moi. Vous, ça vous affecte en rien. Vous, avez, vous gagnez même de l'argent si vous euh, déposez des cryptos. Imaginez, vous déposez 50 euros, vous avez un ticket à gagner, vous gagnez 70 euros, vous faites une super opération, les mecs. Hein. Vous déposez 50 euros, vous, vous grattez votre ticket, j'en ai un, vous en avez un, et ça se trouve, vous allez être l'heureux élu qui va gagner entre 50 et 100 euros, donc vous allez repartir avec 100 euros, et puis voilà. Donc c'est super intéressant. Enfin bref, toutes les questions. Là, vous pouvez en profiter, me poser des questions dans le chat, etc. Je sais pas, j'avais vu une question c'était est-ce qu'il faut déclarer les cryptos Oui, mais euh, en vrai, tu déclares pas. En fait, tu déclares. C'est compliqué. Euh... Tu déclares les comptes que tu possèdes à l'étranger, mais tu déclares pas ce qu'il y a dessus. Les cryptos, tu les déclares que si tu fais une plus-value dessus. C'est-à-dire que si tu gagnes de l'argent avec les cryptos, il faut que tu le déclares. Et encore, il faut que tu déclares que si tu gagnes, euh, je ne sais pas combien d'euros. Euh... Non, pardon, 300 euros. Si tu gagnes plus de 300 euros, il faut déclarer. Mais c'est que si tu retires en devise en euros. C'est-à-dire que ça, si tu as 1000 bitcoins, enfin 1000 dollars en bitcoin et que tu montes à 1600 euros de bitcoin, si tu restes en bitcoin, il n'y a rien à déclarer. Tu ne vas pas dire à l'État, euh, oui, j'ai gagné 600 euros, mais ça reste en bitcoin. Non, non, ils s'en foutent, l'État. Ce qui leur intéresse, c'est que. Si vous avez 1000 dollars en Bitcoin, vous gagnez 600 dollars, enfin 1600 dollars, vous retirez ces 600 dollars, vous les mettez en euros, là par contre ils vont vous dire, hop hop hop, tu as gagné 600 euros en un truc, je te taxe un petit peu vu que tu dois déclarer. Mais euh, sachez-le, moi je n'ai rien déclaré encore, parce que je n'ai rien retiré en euros, j'ai genre gagné, euh, je sais pas, je pas envie de dire de la merde, je n'ai pas envie de vous donner mes chiffres que j'ai investis dans les cryptos. mais genre euh, je suis à x2, x3 de base à mon investissement initial. Et j'ai rien déclaré parce qu'il reste en crypto en fait. Et à partir du moment où je vais rapatrier ça en euros, je vais devoir déclarer. C'était quoi l'annonce C'était que je suis en partenariat avec Swissborg. C'est la top 1 entreprise crypto européenne. Et donc je le remets ici. Mais si vous pouvez liker, RT le tweet. Enfin, juste mettre un like et un petit commentaire en disant GG le partenariat. Genre c'est super cool. Voilà, ça va être juste et c'est super bien. Et moi je suis heureux. Et puis. Et puis voilà. Puis si ça vous intéresse. Euh... Bah, vous, vous me posez des questions. Les gars, je le redis une dernière fois. Si ça vous intéresse, mais que vous avez n'importe quelle question de quoi que ce soit, genre au niveau de l'argent, au niveau de, des peurs, des sécurités, etc., envoyez-moi un message sur Twitter et Discord, je vous aide. Si on met les 50 euros, tu conseilles d'investir dans quel crypto Alors, mec, je peux pas faire de conseils comme ça. Sinon, <laughs> je me fais ban. Mais euh, du coup, euh, franchement, il faut commencer avec les classiques hein. Bitcoin, Ethereum, et même euh, leur tokens. Là, euh... Non, moi je, je, demande, euh, je demande à tout le monde. Je trouve que c'est intéressant d'investir sur le token de leur plateforme. Après, il faut vraiment se renseigner sur les projets. Et c'est là qu'intervient le projet que je suis en train de créer. Mais du coup, il euh, faut que j'ai plein d'argent pour que ça voit le jour un jour. Ça voie le jour un jour, vous voyez le truc Bref, je pense que j'en ai fini. Et je le rappelle encore une fois, si vous avez des questions, DM Twitter, DM Discord ou en live, en l'occurrence, ça serait cool que vous me posiez votre question maintenant si vous aviez... Euh, une question qui vous trappe enfin qui vous passe par la tête parce que là euh, je vais faire mon live tranquille sur mon jeu de fou là je suis trop heureux bref bon en vrai ça vous a plu ou pas est-ce que j'ai bien expliqué la chose est-ce que c'était pas chiant euh, est-ce que est c'était intéressant dites-moi petit powerwatch non Powerwatch. non là les mecs alors là là les mecs putain je suis trop heureux ah, attendez du coup oui oh, j'ai oublié de dire ça mais euh, c'était intéressant, Imo. Eh bah, c'est super. T'es un bon vendeur. C'est vrai, je suis un bon vendeur Très beau exposé, c'était simple à comprendre. Allez, ah, let's go, je suis content. En vrai, vous savez que je suis content. Combien de temps tu peux dire que tu as gagné de l'argent En combien de temps tu peux dire que tu as gagné de l'argent C'est à dire, Hunter Pro J'ai écouté, j'en ai même pas dit bonsoir. C'est vrai, notre Ça fait plaisir. Non, c'était vraiment bien. Bah, écoutez, super. Je suis content si euh, j'ai pas été chiant. J'ai expliqué les. J'ai voulu présenter ce que je voulais sans que ça soit compliqué pour vous. J'ai essayé de démocratiser du mieux que je peux. Ça me tente de mettre 50 balles, c'est vrai Juste pour essayer Eh bah ben, écoute, tous ceux qui sont intéressés à l'idée de mettre 50 balles, envoyez-moi un message avant quand même, que je vous dise plein de précisions. Enfin, envoyez-moi un message avant. Faites votre vie. Mais euh, si vous songez à... Enfin, si vous y êtes, euh, vous y intéressez... J'ai du mal. Si vous vous intéressez, envoyez-moi un petit message comme ça, je vous guide. Je vous dis plein de choses par rapport à l'application et tout ça, parce que je connais je connais sur le doigt des pieds l'application. En gros, si tu investis 50 balles, tu peux savoir à peu près quand ils sera rentables, non alors tu peux pas savoir si tu vas être rentable avec les 50 euros que tu mets, parce que ça dépend du marché, ça dépend de plein de choses, mais, euh... mais ça dépend dans quel crypto que tu mets. Je sais pas trop comment expliquer. Si, je vois ce que tu veux dire, mais tu peux pas savoir à peu près quand ils seront rentables. Moi, je pense que euh... tu peux devenir rentable si tu restes. Déjà, il faut se dire que les 50 euros que vous mettez initialement, ils sont perdus. Déclarez-les. Enfin, faites le vide dans votre tête et dites-vous que... Voilà, 50 euros, bon... Je vais les mettre en investissement dans les cryptos et je vais attendre plusieurs années pour voir si ça va monter. Et puis j'y retouche dans quelques années. C'est comme si vous avez perdu votre argent, entre guillemets. Vous ne les retirez pas parce que vous en avez besoin ou quoi que ce soit. J'insiste vraiment sur le fait que les 50 euros que vous allez mettre, si vous, vous songez à les mettre, eh bah ben, euh, vous attendez. Euh, merde, j'ai tôt... oh, eu un trou de mémoire. Euh, oui, les 50 euros que vous allez mettre, c'est. Euh... Comment dire C'est de l'argent que vous considérez déjà comme perdu. Et, euh, et c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin là. Là, par exemple, je vous le dis, si vous avez 2000 euros sur votre compte et que vous avez 50 euros à mettre euh, en investissement, bah, n'hésitez pas. Prenez mon lien, Swissborg, etc. Et je vous le dis, je serai un guide parmi vous. Tous ceux qui ont utilisé mon lien, même ceux qui n'utilisent pas mon lien, qui ont besoin de, de questions, enfin qui ont des, des intrigues, euh, des interrogations, pardon, sur les cryptos, etc., bah, vous m'envoyez un message et je vous y réponds volontiers. Bref, j'irai check le truc quand j'aurai le temps, bah merci beaucoup, en vrai merci beaucoup ceux qui vont le check et encore plus à ceux qui vont déposer 50 euros sur le lien en question parce que 50 euros c'est quand même un sacré investissement et sincèrement moi je pense que genre je vais, si je touche déjà une personne, enfin qu'une personne dépose 50 euros grâce à mon speech, bah voilà, je t'enverrai un message demain ou après ton live si je dors pas, ça marche. Quand l'appli dit utilisateur vérifié c'est à dire des personnes qui ont servi la CNI, oui c'est ça. Il faut de la vérification pour de la sécurité, tout simplement. Tu me fais hésiter de fou. Bah, les gars, vous savez quoi Ne faites pas tout de suite. Là, vous avez écouté mon live, vous avez été influencé et tout ça. Je suis un influenceur un petit peu. Non, je vous, je vous promouvois de la qualité. Vous pouvez être sûr de ça. Euh, parce que sinon, je ferais 40 000 partenariats pour avoir de l'argent à la con et je ferais comme les autres streamers. Obligé d'être vérif pour utiliser l'appli. Oui, ZDX. Ouais, ouais, ouais. Mais au pire, tu peux demander à ton papa ou à ta maman. Bah, ça, c'est pas bien. Mais. Euh... Non, je ne vous promouvois que de la qualité et je voulais dire quoi Que oui, ne le faites pas de, ne le faites pas de ce soir, réfléchissez à ce que je vous ai dit, euh, relisez mon tweet et puis si vous avez des questions, posez-les-moi et demain matin, vous allez vous reliez la tête un peu, les nouvelles idées, nouvelles fraîcheurs, est-ce que vous allez vraiment mettre 50 euros pour essayer, si vous avez 50 euros de disponible pour tester faites pas ce soir sur un coup de tête. En fait, c'est de la contre-pub ce que je vous fais, mais c'est de la pub qui est saine pour que vous soyez bien et que vous vous sentez bien en fait dans ce que vous faites, dans vos actions. Donc voilà, j'ai des saignées en stock. Bah fais attention Zedrix. Moi je suis belge, c'est quand même safe pour moi. Oui tu peux, oui oui tu peux euh, Nexo, volontiers tu peux. Il tu peux... y a plein d'européens, il y a plein d'américains, enfin il y a plein d'américains, il y a plein de, de personnes en Europe qui utilisent l'application. C'est la numéro 1 en Europe, il hein. y a 650 000 utilisateurs et euh, donc oui il y a suisse, il y a français, il y a espagnol, il y a portugais, il y a plein de trucs. C'est vrai, euh, non C'est quoi Je vais le noter ça. Bref. Franchement, euh, merci de, euh, de m'avoir écouté hein, sur euh, ça. Une fois qu'on dépose 50 euros par le ticket, on y gagne quoi à Déposer 50 euros en fait, tu fais quoi par la suite Bah, les 50 euros, c'est à vous déjà. Quand vous les déposez les 50 euros, vous gagnez votre ticket à gratter si vous prenez mon lien, parce que sinon vous n'avez pas de ticket à gratter initialement. Moi, je gagne un ticket, vous gagnez un ticket. Alors, moi, je gagne un ticket, vous gagnez un ticket. Et euh, vous gagnez quoi à déposer 50 euros Bah, vous avez les 50 euros sur la plateforme. Et puis, vous pouvez décider de les retirer sur votre compte. Ou alors, vous pouvez décider d'acheter des cryptos. Euh, je ne sais pas, vous pouvez acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, ou je ne sais pas. Si vous vous renseignez un petit peu sur les cryptos, il y a 50 cryptos qui sont disponibles sur, sur, sur la plateforme. Donc, euh, bah vous avez votre choix. Renseignez-vous, par contre, si vous décidez de. Ou alors, posez-moi des questions, je peux vous renseigner. C'est que Je trouve que ce sont les frais de trading de 1%, mais le site a l'air bien malgré tout. Bah, les frais, c'est 1%, c'est la transparence. C'est le fait que c'est à titre d'investissement et c'est pour le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'ils jouent sur le fait qu'ils ont une très bonne interface utilisateur, que ça soit très débutant et, et très transparent pour qu'ils bah, attirent le plus grand nombre et que l'entreprise marche. Mais l'entreprise marche très très bien. Donc après on les investit sur les crypto. C'est ça. Ou tu peux retirer ou tu peux juste garder sur ton compte en attendant que la crypto baisse beaucoup pour investir. Tu fais ce que tu veux. Moi c'est un cooldown. Et eh ouais, tu peux pas me faire mes, mes petites 15 pompes. Euh, tac, 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 tac. tac Donc no nope, Crash, alors attends. Je vais noter ça sur mon bloc notes. Ah, je suis content l'avoir fait ma présentation. Et surtout que... que bah... ça vous a pas ennuyé et que vous étiez quand même une vingtaine à avoir écouté. Je suis vraiment content. En vrai, je suis content. Mon live est trop réussi. Bref, maintenant là les amis. Ah là c'est bon, on discute. Là on est heureux. Là ça y est, on est heureux. On va enfin jouer à mon nouveau jeu. Et là, mais. Là, je vous jure qu'il y a tout le monde qui a joué sur le chat. Je vous, je jure. Je vous, je jure. Putain, arrête les oreilles. Wow oh Putain, j'ai jamais crié aussi fort. Je suis en ouf. 22h16. Il y a la lune. Les mecs. Je suis trop heureux de jouer à un nouveau jeu. Merde, j'ai oublié de vous dire qu'il y a ça. Mon exclamation SB. Si vous avez une information, euh, et il y a mon lien euh, juste ici. Pouf. Bref. Bah, Seiko, envoie-moi un message sur Discord et sur Twitter. On en parlera. Mais là, je vais aller sur mon jeu. Mon jeu de folie. Oh. Les mecs, je vais... Je... Non, mais... Recris, vas-y. Oh Là let's go C'est sonorisé, hein, sinon je ferai pas ça, ça va pas la tête. Bref. Je peux quitter ça. Je peux quitter ça. Merci beaucoup pour tous les RT et pour, pour tous les likes sur mon tweet. Les mecs. Les mecs. Ah putain, là j'ai trop hâte. En fait, je voulais faire ça en live depuis des années. Sauf que j'arrêtais pas de faire des pauses et je voulais trop faire ça en live un jour. Et les gars, j'annonce officiellement que va y avoir.